Nous allons rester sur les véhicules électriques et les bornes de chargement. Nous sommes, dans ce vœu, j'espère, consensuel, tout à fait dans le cadre de l'accord de Paris, de la COP21, dans le plan climat qui a été adopté, rappelons-le, à l'unanimité de ce Conseil en mars 2018. Alors, je vais pas rappeler tous les attendus, mais simplement dire que l'essor de l'électrique à Paris, au moins pour les deux roues, est une réalité. Pour les voitures, il existe, même si on peut estimer qu'il est insuffisant, mais un des freins que tous les Parisiens donnent dans le frein à la voiture électrique, c'est le manque de bornes électriques. Aussi, nous proposons que la ville communique aux élus, au Conseil de Paris, la liste des parkings des immeubles locatifs de la ville, donc les immeubles de la ville équipés en chargeurs pour véhicules électriques, ainsi que le nombre de bornes, avoir un audit en la matière, et que la ville s'engage à déployer le plus rapidement possible au moins une borne de recharge électrique par parking dans les immeubles locatifs de la ville qui sont si chers à la ville de Paris. Merci. Merci à vous, monsieur Najat.